Alors j'aimerais vous partager maintenant le lien avec les émotions. Alors, sur un plan émotionnel, les personnes qui souffrent d'asthme, elles se laissent très souvent déborder par, leurs émotions qui peuvent les faire passer en fait de l'euphorie à la déprime très rapidement. Et ce débordement en fait émotionnel, ça leur crée également des difficultés au niveau relationnel. Et si vous voulez, les problèmes respiratoires, ils reflètent la capacité d'une personne à gérer les émotions de la vie liées aux êtres qu'elle aime. Et si elle se laisse déborder par ses propres émotions ou par celles des autres, en fait, elle risque de souffrir d'anxiété, d'irritabilité et de tristesse, par exemple. Et ça va déclencher à la suite des symptômes physiques, dont l'asthme. Et je trouvais intéressant de vous le partager parce qu'on partage... On ne parle pas souvent du lien avec les émotions et pourtant il y a une grosse part aussi à jouer là-dessus.